Créée en janvier 2010, l'ONAG est chargée de la planification et la gestion des eaux du lac de Guière. L'Office a élaboré un programme d'alimentation en eau potable au profit des populations riveraines du lac pour un montant de près de 2 milliards avec 50 000 personnes qui bénéficient des retombées de l'ONAG. Les projets de l'ONAG couvrent également les communes de Mbane, Cœur-Montmarsard, Sieur, Nite. L'ONAG intervient également dans la programmation des investissements, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, la conception et le contrôle des études et des travaux portant sur les infrastructures relatives à la gestion du plan d'eau, l'exploitation et la maintenance des équipements, ainsi que le suivi qualitatif et quantitatif des ressources en eau du lac. Dans les eaux du lac de Guière, à cheval entre les régions de Saint-Louis et Louga, le lac de Guière constitue la plus importante réserve d'eau douce du Sénégal. Sur un plan d'eau qui couvre une superficie de 350 km², il est relié au fleuve Sénégal par la Taoué, avec une capacité de remplissage fluctuant entre 450 et 750 millions mètres cubes. Les projets de l'OLAG. Le Préfélag. Le projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guière, Préfélag, vise la restauration des conditions hydrologiques et des écosystèmes du lac de Guière en vue de contribuer à une croissance inclusive dans les régions de Saint-Louis et de Louga. D'une durée de 5 ans, sa mise en œuvre est effective depuis 2014. Le coût global du projet est de 13,9 milliards de francs CFA, dont 80% sur prêt du Fonds africain de développement FAD et un don du Fonds mondial pour l'environnement FEM de 5%. Le reste, soit 15%, est assuré par la contrepartie de l'État du Sénégal. Le prêt Ferlot. Le projet de restauration des fonctions écologiques du Ferlot. Prêt Ferlot doit assurer la desserte de la zone sylvopastorale du Ferlot en vue de satisfaire les besoins en eau des écosystèmes, des corridors céréaliers, des populations et du cheptel. De par son tracé, plus de 400 km de transfert d'eau sur l'axe lac de Guière d'Ara-Ranérou, ce projet aura un impact socio-économique réel. Le prêt Ferlot est soumis aux partenaires financiers dont la BAD, qui a déjà financé l'étude de faisabilité APS-APD. Le projet de gestion rationnelle de l'eau du système du lac de Guière, projet LAG, contribue à l'amélioration de l'accessibilité et de l'utilisation de l'eau du système du lac de Guière dans le but de sécuriser durablement la satisfaction des besoins des différents usagers. Une requête de financement du projet est faite à la BID par l'État du Sénégal.